le goût de vivre, ça ne se traduisait pas bien littéralement. Ils ont sans doute raison, moi je ne suis pas assez bon en castillan pour savoir. En même temps, je regrette un peu parce que le goût de vivre, ça n'est pas la même chose que le plaisir de vivre, parce que le goût de vivre, c'est aussi l'amertume de la vie. Et au fond, moi, j'aime aussi dans la vie son amertume. The traditional idea of happiness doesn't make enough room for human choice and human activity. My former colleague Robert Nozick, who was a very good philosopher, he had a thought experiment. He said, suppose you could be plugged into an experience machine and you could have many pleasant experiences and plenty of satisfactions, but you wouldn't be doing anything. So you would have the feeling of having friends, but you wouldn't have any real friends. You'd have the feeling of doing some work, but you wouldn't be really doing any work. Now, who would choose to be plugged into that machine, he says. Well, almost nobody wants to do that, because they would rather have the risks and the pains of real life and real friendship and real work and real activity, rather than just feeling pleased all the time. On peut vivre des plaisirs illusoires, on peut vivre des plaisirs artificiels, mais aucun de ces plaisirs n'est capable de nous satisfaire vraiment. Parce que ce que nous cherchons, c'est deux choses. Nous cherchons le plaisir, la joie, le bonheur, et nous cherchons la vérité. Et si on a la vérité sans joie, ben, on n'est pas heureux. Mais si on a la joie, le plaisir sans vérité, on n'est pas heureux non plus. Et je dirais que c'est ça le pari de la philosophie. Vous savez qu'en grec, philosophia, ça signifie l'amour de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse pour les Grecs? Eh bien, c'est la rencontre de la joie et de la vérité. C'est une vérité heureuse ou un bonheur vrai. Et s'il manque l'un ou l'autre, ce n'est pas de la sagesse et au fond, ce n'est pas non plus vraiment un bonheur. Beauty. I know a lot of people like this concept. I don't find it such a useful concept. J'aime surtout la beauté, comment dire, qui ne donne pas à réfléchir. La beauté d'un paysage, la beauté d'une femme, la beauté d'une œuvre d'art. Je dirais, moins il y a de pensée, mieux ça vaut. Et c'est pourquoi je pense que l'art ne tient pas lieu de philosophie et que la philosophie n'est pas une œuvre d'art. Parce que l'art travaille davantage dans l'émotion, dans le plaisir, dans la sensation, alors que la philosophie travaille davantage dans la réflexion, dans le concept, dans l'argumentation. On a besoin des deux, mais ça n'est pas une raison pour les confondre. I do think that the arts offer a tremendous amount to ethics. And they offer it because of the way in which they push our imagination to go beyond its usual boundaries. Because in daily life, we often don't feel very deeply, we don't look very intensely. And so a work of art can actually stimulate us to be more fully ourselves, to go more deeply into our experiences of grief, loss, love, humor. So that's what I think the arts offer to ethics, is just an intensification of human experience that helps us think better. Est-ce que l'art peut aider à l'éthique directement? Non. Regardez les nazis qui étaient de grands esthètes, souvent, qui adoraient Mozart, Beethoven, la peinture, la littérature, ça n'a rien empêché. Cela dit, il y a quelques expériences artistiques dont il me semble qu'elles nous indiquent une direction vers l'éthique. J'ai du mal à concevoir qu'un nazi puisse aimer Mozart, parce que moi, quand j'écoute Mozart, j'ai le sentiment qu'il y a une telle humanité, qu'il y a une telle douceur, une telle tendresse, que pour moi, en effet, Mozart est une leçon éthique. Some people think that emotions are just like feelings without any thought at all. Something like a boiling of the blood or a feeling of trembling. But when you really start investigating your own deeper emotional experiences, I think people find out that it's not quite like that. And that's why I use the example of grief, because I think grief is an experience that you can't explain without thinking of it as involving thought directed at an object. When you're grieving, you see very vividly that person that is lost, and your grief is about that. And it contains the thought, a person who's really important to my life is lost and gone. So that's a very rich experience and full of thought.
So I use that as the starting point to defend the idea that all the major emotions involve a kind of thought or evaluation of an object as very important to our well-being.